Mesdames et messieurs les échevins, mesdames et messieurs les mandataires politiques, mesdames et messieurs en vos titres, grades et qualités, chers amis. Évidemment, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour un événement ainsi Boubeker, qui tout à l'heure, dans son film, rappelait qu'il était algérien d'origine et qu'il a quitté l'Algérie. Et cette distinction lui est remise par une ministre belge, elle est aussi amazigh, hein, comme Amsi, d'origine marocaine. Et je pense qu'effectivement, c'est des choses qu'on ne voit pas souvent. Et je voulais le souligner aujourd'hui et vous dire toute l'émotion qui est mienne aujourd'hui de remplir cette responsabilité qui me touche beaucoup. Gural, c'est par la chanson qu'il a amorcé sa carrière artistique, bien avant que le concept de world music se généralise. Collecté comme autant de dessins de paix, dessins s'écrivant ici avec et sans eux. Des mains dans lesquelles nous pouvons lire toute la chaleur du cœur d'Amsi, la main tendue vers l'autre est un signe de rencontre, de reconnaissance, d'amitié, de paix. Les mains que représente l'artiste que nous mettons à l'honneur aujourd'hui sont autant de mains offertes à l'autre. Dans la station Le Monnier, cette station qui finalement deviendra un jour la station Amsi Boubeker, sans doute, comme moi je rêve sans doute un jour d'avoir une rue à mon nom, toi tu as déjà ta station de métro, qui, et c'est vrai, je pense que l'ensemble des passants, l'ensemble des personnes qui empruntent les transports de notre région, eh bien, se sont appropriées ces mains de la liberté, ces mains de la paix. Et je voulais vraiment te féliciter. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous faire officier de l'ordre de la couronne. Chers amis, je suis vraiment, vraiment très touché par cette récompense. Ça fait 33 ans que je vis en Belgique et quand je suis arrivé, je me suis installé comme artiste et comme auteur sont inspirés de l'Algérie, de la Kabylie. Et j'ai toujours un berceau dans lequel chaque jour je goûtais au plaisir des cultures des autres. Et c'est là que j'ai appris ce que c'était le respect de l'autre, la tolérance, et que la richesse existe chez les autres aussi, l'artiste. Mais aussi, je dis, en m'offrant aujourd'hui cette récompense, c'est quand même incroyable que je sois resté algérien dans mon inspiration artistique. Merci beaucoup. Ben, mes impressions aujourd'hui, je dirais peut-être enfin vraiment reconnu en tant qu'artiste de la diversité, mais aussi par le travail que j'ai fait, puisque ça fait 33 ans que je vis en Belgique et que je pratique cet art à travers mon inspiration, parce que je suis d'origine algérienne, kabyle, berbère. Donc c'est tout cet art aujourd'hui qui a été récompensé à travers peut-être ma personnalité. Donc c'est une reconnaissance qui me fait chaud au cœur. Et je crois que pour la Belgique aussi, c'est de reconnaître que la diversité est un plus, est une richesse et non quelque chose de négatif. Et c'est à travers l'art qu'on peut créer des ponts entre les nations, entre les gens. L'art n'a pas de frontières, mais l'art sait parler aux gens. Donc il y a eu des moments très forts, je crois que c'est la rencontre avec les gens du ministère, les gens de la société Polyvision qui a sérigraphié les œuvres, où j'ai appris beaucoup de choses. C'est la rencontre avec le réalisateur, avec la journaliste qui a fait le commentaire. Je crois que c'est tout ce monde-là avec qui j'ai collaboré, qui a fait aussi, qui ont créé pour moi des moments forts. Et jusqu'à l'inauguration, et le jour de l'inauguration, sincèrement, c'était un dimanche, j'ai eu beaucoup de monde, beaucoup de gens sont venus découvrir cette station. Et j'étais heureux de voir dans leurs yeux, dans leurs paroles, dans leur approche par rapport à moi, un côté positif, quoi. Et ce remerciement, donc,
quelque chose qui est en moi, et ça me donne beaucoup, beaucoup de force pour aller encore plus loin dans le futur. Donc, Madame la Ministre, pouvez-vous nous expliquer un peu donc, ce prix aujourd'hui qui est un prix honorifique, mais qui a un prix finalement qui a une grande valeur par rapport à un artiste comme Hamzy. Donc expliquez-nous un peu le pourquoi on a décidé de remettre ce prix à cet artiste. Alors c'est une distinction honorifique qui est remise par le Palais Royal et qui vise à décorer une personnalité qui a excellé dans un domaine. Ici c'est pour la culture. Et donc Hamzy Boubekr, qui est un artiste belge d'origine algérienne et qui a fait tous ses projets ici en Belgique, eh bien, est un ambassadeur pour la Belgique. Et finalement, eh bien, cette distinction a été demandée en son honneur. Ouais. Il faut rester humble, mais surtout travailler. Je pense que toute récompense est méritée par le travail. Je pense que j'ai eu beaucoup de problèmes à pouvoir m'exprimer. Attention, la vie n'a pas été rose pour moi quand je suis arrivé en Belgique. Mais il y a une chose qui était très importante, c'est que le travail acharné m'a permis d'avoir cette récompense. Je ne l'ai pas eu comme ça. Je crois que Mme Fadila Lalanne, la ministre, connaît mon passé. Elle l'a lu sur un papier, mais je crois qu'elle l'a vécu quand j'étais musicien et tout. Et je pense que c'est tout ce travail, et que je dis à tous les artistes que quand on veut, on peut. Il faut juste ne pas trop être assisté, ne pas attendre que les autres font les choses à leur place, mais qu'eux déjà peuvent prendre le temps de pouvoir réaliser des œuvres ou un film ou enfin de la musique. Je pense que c'est le travail et surtout avoir beaucoup d'espoir. Mais c'est ça que je trouvais assez beau tout à l'heure lorsque moi, en tant que ministre de la culture d'origine marocaine et amazigh, que je remette un prix et cette distinction à un artiste belge d'origine algérienne et amazigh aussi. Et donc, je trouve que la Belgique est un pays étonnant. Vous avez deux personnes d'origine maghrébine, l'une qui est ministre et l'autre artiste, et que voilà, il se passe des choses comme ça ici. Et je trouvais ça très émouvant parce que je pense que c'est aussi une façon de montrer qu'on peut continuer à tisser des ponts entre les deux rives de la Méditerranée et que finalement, on est aussi le fruit de son histoire. Un petit mot peut-être de fin en amazigh pour toutes les personnes d'origine amazigh qui sont fiers de toi avec ton parcours. Azoulay Imaziran, Zarar Blilen Imaziran Gagel Maghreb, Amek Zahir, Amek Toulouse. Asdinir Farhata Sassami Douir Chehaïr, officier de l'ordre national. Et bien, Asdinir Imaziran, les artistes, Imaziran. J'espère que nous avons une distinction avec le Khamansen, avec Guy de l'Essensen. Azul.